Bonjour YouTube, je suis un peu malade, mais pas trop. Donc excusez-moi si je tousse un petit peu, et pas trop. Call of Duty 4 Modern Warfare, c'est mon premier Call of Duty. J'ai jamais joué à un Call of Duty de ma vie. C'est le premier. Je sais que c'est un exploit en 2023, mais voilà. Je commence donc par Modern Warfare, qui est vraisemblablement le plus culte. Avec sa suite Modern Warfare 2. En tout cas, de ce que je comprends. Si j'ai envie de commencer les Call of Duty, c'est notamment grâce à la vidéo de The Great Review sur la saga Call of Duty. Alors, il faut savoir que Call of Duty 4, je l'avais acheté avant et je l'avais mis de côté. Mais c'est ça qui m'a poussé à le faire maintenant, aujourd'hui. Malgré tout, j'ai décalé mon début de let's play sur Call of Duty 4 parce que la première fois que j'ai voulu le faire, la résolution merdée, tout ça, bon, je vous passe les détails techniques. Et donc du coup, on est allé sur Titanfall 2, dont vous avez vu normalement les VOD YouTube si vous suivez bien. Du coup, Titanfall 2 qui est fait en gros par les mêmes personnes qui ont fait ce Call of Duty 4, Modern Warfare, puis Modern Warfare 2. Ils ont ensuite fait Titanfall, puis Titanfall 2. Puis Apex Legends, tout ça, vous connaissez normalement l'histoire. Ah, donc Call of Duty 4, donc on va dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Je suis très curieux de voir donc ce que ce Call of Duty 4 donne. Je sais pas si c'est une version remaster, je sais pas si c'est... Honnêtement, je sais pas du tout quelle version j'ai. Bref, c'est la version qui est sur Steam. Nouvelle partie! Chut, 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 chut. D'abord, la bonne nouvelle. Le monde pète le feu. On a une guerre civile en Russie. Gouvernement contre ultranationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine quoi. Khaled Al-Assad. Ouais. Actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro 1 là-bas. Ah, c'est normal, pardon. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui, tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Pardon, pardon pour l'écho. Soap? Savon. C'est moi, Savon? Voir, mon gars. Prends un fusil sur la table. Oula! La sensi. Je fais mille fois le tour sur moi-même, là. Alors, attendez, sensibilité souris. Hop. Oh, même là, c'est un peu trop. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ouf, ça va être... Ouf, ça va être sportif. Souris fluide. Je sais pas, oui. Oh. Ok, la sensi, ça va être dur. Parce qu'il n'y a pas de... La version de base, c'est pas le remaster. D'accord. Je n'étais pas sûr s'il y avait un remaster ou quoi. J'ai rien suivi. C'est pas très grave. J'ai pas de problème avec ça. Tant pis. Hein. On fera un autre possible avec la sensibilité qui sera ici. Tu connais la chanson. Va au poste 1 et mets-toi en position de tir. Le poste 1. Position de tir, Soap. Maintenant, tire sur toutes les cibles en utilisant la mire. Ok, on recommence avec le viseur. Pourquoi c'est inversé? Bordel. Excusez-moi, c'est inversé le haut et le bas. Ah, c'est souris, ah bien non. Ah, c'est mieux. Merveilleux. Maintenant, tire sur les cibles en utilisant la visée normale. Ça marche, Nito, à tout de suite. Avec un morceau de contreplaqué. Je veux que tu touches les cibles à travers le bois. Les balles pénètrent les matériaux fins et peu résistants, comme le bois, le plâtre et la tôle. D'accord. Attendez, juste, je vais monter un peu le son du jeu. Excusez-moi, ça fait ramer le jeu dès que je quitte la fenêtre. Hop, voilà, hop. Maintenant, les cibles vont sortir l'une après l'autre. Touche-les toutes le plus vite possible.
bien. Maintenant, voilà. F. Maintenant, prends le fusil. Quel fusil? Maintenant, sors ton arme de poing. N'oublie pas, il est plus rapide de sortir ton arme de poing que de recharger. Utiliser ton couteau est plus rapide que de dégainer ton pistolet. Plante la pastèque. Elle est où la pastèque? Où est la pastèque? Paf. Joli, t'es un vrai tueur de fruits. Le capitaine Price veut te voir. Ça, c'est parce que je suis vegan. Tuer des fruits, ça me connaît. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Allez-y doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Oui. Ah, c'est vrai. C'est quoi ce foutu nonceau? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections? Sauf à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Gaz détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. C'est qui, Gaz? Escalade l'échelle qui est là. Quelle échelle, celle-là? Merde. Prends ce MP5 et 4 grenades flash. À bon signal, tu descends sur le pont. Attends, Michel, je vérifie juste. Se pencher à droite, se pencher à gauche, d'accord. Et tu fonces à la position 1. Ensuite, tu prends l'escalier d'assaut. Et tu rejoins la position 2. Puis tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Attrape la corde quand tu es prêt. J'ai rien compris. Attaquez les cibles. Position 2, allez. Attrape les cibles. Grenade flash dans la porte. C'est quel bouton? Grenade flash dans la porte. Oui, bah Position 4, attaquez les cibles. Position 5, allez! Attrape les cibles! Recommence! Recommence, c'est quoi? Recommence! Ah. T'as manqué une cible, recommence! Oh! Il est où? Recommence! Ah, pardon. 6, allez! Grenade flash dans la porte! Dans la porte. Oh. Grenade flash dans la porte. Aïe. Scott, t'es lent. Allez, bouge-toi. Oh, pardon. Attrape la corde quand tu es prêt. Ouais, je recommence. Go, go, go. Recommence. Attaque les cibles. Position 2, allez. Attaque les cibles. Grenade flash dans la porte. Position 4. Attaque les cibles. Position 5, allez. Attaque les cibles. 6, allez. Attaquez les cibles. Première position, allez. Foncez, vous y êtes. Pas mal, Soap, mais j'ai vu mieux. Aïe. Cette échelle si tu veux réessayer. Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle pour un débriefing. Messieurs, la mission cargo est lancée. Préparez vos affaires. On décolle à 2h. Rompez. Alors, pour les joueurs qui découvrent les FPS, pour vos compétences de combat, seront mises à l'épreuve. Commando. 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 Un commando. Ça se commande pas. Écoutez. Équipe Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775.
présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord. Règle d'engagement. Équipage sans importance. Re... Ah, c'est le capitaine qui a pété. Comment ça va, mon Mike? Bon, il y a du boucan, hein. C'est la guerre, hein. Quoi, volonté? Je voulais pas ouvrir là. On dégage. Cessez le feu. Gaz, tu restes dans l'hélico le temps qu'on sécurise le pont. À vous. Bien, c'est. Avec moi. Oh, d'accord. Escalier, ok. Terminé. Couloir, ok. Ok. Je te vois, toi. Ah non, c'est merde, c'est la pauvre. C'est mieux ? C'est bien. Quartier de l'équipage, ok. Oh, il les a butés alors qu'ils dormaient. Fils de pute, va. Le pont avant est dégagé. Feu vert pour Alpha. Allez. Capitaine ! Prêt. Déployez-vous, intervalle de 3 mètres. Capitaine, vous avez dit. Et vous foncez sur moi, là. Vous écoutez rien ? Sur la plateforme. Je les vois. Feu à volonté. Bien reçu. Ennemi à terre. Cible neutralisée. Bon, j'ai rien le temps de faire. Ils font tout. Ah ah. On a de la visite. Marteau 2-4, on a des cibles au deuxième niveau. Entendu, on attaque. Bravo 6, marteau est à court de jus, on décampe. Oiseau de nuit sera sur site dans 10 minutes pour évacuation. Bien reçu, marteau. Ouais, bien reçu, marteau. Couvrez nos arrières, les autres avec moi. Bien reçu. Avec vous où? Attendez, capitaine, je sais pas où je dois aller. Ah, oui, pardon. Pardon, capitaine. Gardez ça pour le combat rapproché. C'est pas bon. À mon signal. Quoi, c'est quoi, vous avez pas compris? Surveillez les coins. On y va. Ah oui? Surveillez les coins. Ah ouais, putain, ça lag de ouf. À gauche, RAS. À droite, RAS. C'est chez moi que ça... non, mais c'est... sur mon retour aussi, ça lag de ouf. Attendez, attendez, c'est pas vous, c'est pas vous. Option. Et putain, c'est un jeu de... C'est un jeu de 1990, là. Pardon. paramètres de texture. Attends, c'est dégueulasse. Excusez-moi. Attendez, attendez, on va régler ça. Merde. Non. graphisme. Peut-être baisser l'anti-aliasing. Carte dual vidéo. Je vais pas appliquer. Oui, j'applique. Quoi, j'ai encore un briefing? Équipe Bravo, non. Waouh, mais c'est chaud! Chez moi, c'est ultra fluide, hein. Bah, le jeu est ultra fluide sur mon écran de jeu, mais putain, vous, c'est immonde! Putain, c'est un truc de fou, ça! Putain, ce jeu il m'aura fait souffrir. Hein.
voilà. O. Et putain, les gars, je sais pas quoi faire, hein, parce que là, vraiment... Enfin, c'est pas comme si le jeu était lourd, quoi. Et en intérieur, c'est pareil ? Couloir, ok. En intérieur, ça va, c'est la pluie qui fout la merde. À droite, RS. Escalier, ok. Et c'est chaud, quand même, hein. Capitaine, qu'est-ce que je fais ? Ah merde, c'est... Aïe! Ennemi à terre. Couloir, ok. Surveillez les coins. À gauche, RAS. Prêt. Avancez. Attendez, à mon signal. En attente. Bien. Passerelle dégagée. Je vous couvre. Avancez. Ah là, ça relague. Ouah, c'est chaud! Je suis vraiment navré, hein. Avec moi ! Route dégagée. Pas d'ennemis en vue. Avancez ! On continue. Pas de mouvement. Gaz à droite. Ah. Je m'en charge. Regroupement. Je suis là, capitaine. Prêt. Go. À gauche, RAS. À droite, RAS. On y va. Est-ce que je peux vous tirer dans le cucu, capitaine ? Aïe. Avancez. Ah ah, je t'ai vu, toi. Route dégagée. On y va. À gauche, RAS. À droite, RAS. Regroupement. Attendez, à mon signal. Capitaine, vous parlez prêt. Trop. Deux, prêt. Bon. Aïe. En avant. Ah, c'est lui, Gaz. C'est lui qui avait le record de je sais pas quoi, là. Oups. Tiens, tiens, je sais pas quitter, mais tiens. Oh, une grenade. Paf. Ils avaient gêné le soldat qui sonne à pieds joints comme ça et... Il tombe. Aïe. Le tir à mine n'est pas toléré. Ah zut! Non mais dans le feu de l'action, capitaine! Vous pouvez pas savoir? Aïe! Aïe! Arrêtez! Qui quoi? Aïe. Ah putain, il y avait un connard là-haut. Ah merde. Je confonds toujours mes copains et mes pas copains. Ah, il va arriver là-haut, ce bâtard.
Ah! Je crois que je vais tirer dans les cueilles. Oups. Oh, dans la gueule. Ça lag toujours, ça me rend fou. Attendez. Alors, option. C'est vrai que si je mets encore pire, ça va être mieux. Je pense pas. Allô? Ah, je vais peut-être faire planter le jeu, hein, tout simplement. Oh là, c'est simple, le jeu ne démarre pas. Le jeu ne veut pas. Eh bah c'est super. Vraiment, le jeu veut pas que... Je veux pas que je joue à lui, hein. Mais OMG, pourquoi j'ai 6 fenêtres de Call of Duty 4 qui sont ouvertes. Je vous jure. Pourquoi? Non mais je vais jouer à Sekiro. En fait, c'est l'univers qui me dit que je dois pas jouer à... L'univers me dit que je dois pas jouer à Call of. En fait, c'est ça. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous verrez ce que je vois, vous hallucinerez. 9, 10. Mais Ah, j'ai entendu quelque chose. Ah, ça y est, la crache. Bon, je vais essayer quand même. Mais insane le lag, hein. C'est immonde. Oui. Je sais pas, je vais surveiller. Aïe. Ouais, ça lag, hein. C'est dégueulasse. Ça me trigger. Non mais ça change rien. Ça me rend ouf, hein. C'est quoi qui fout la merde? Ça lag pas de ton côté, t'as l'impression? Bah moi sur mon retour là, ici ça lag. Oh, regarde! Regarde ma cam! En fait ça fait laguer mon PC en entier, il veut pas. Là, il y a un truc qui fait laguer tout mon PC. Attends, je vais essayer une chose. Je vais essayer une chose qui, notamment avec Trackmania, avait résolu mon problème. Paf. Alors, vous voyez, c'est quand même très saccadé. Je sais pas si ça se voit. Ça a l'air moins pire que tout à l'heure, mais Oh.
Oh, je l'ai raté. Ah merde, c'est capitaine. Capitaine ! Je suis désolé, capitaine. Je vous reconnais pas. Pas moi ? Quoi ? Toi, c'est pas mieux ? Pour l'instant, c'est très fluide. Ah ouais ? Sur mon retour, on dirait vraiment pas que c'est fluide. C'est ça qui est fou. Ennemi à terre. Au rapport. Tout va bien ? Bien, c'est... J'ai un signal fort, capitaine. Vous voudrez peut-être voir ça. C'est en arabe. Vivo ici, Bravo 6. On l'a trouvé. Prêt à transporter le colis. Pas le temps, Bravo 6. Deux diables foncent vers vous. Prenez ce que vous pouvez et foutez le camp. D'accord. Sûrement des MIG. On devrait filer. Saut. Prenez le manifeste dans le conteneur. Vite. Quel manifeste? Ah, ça? Sur le pont supérieur, maniez-vous. Vite. En vite. Quelle est votre situation? Déjà dans l'hélicoptère, capitaine. Ah mais cours plus vite, gaz. Oh non. Oh mon dieu. Bravo 6, répondez. Bravo 6, quelle est votre situation? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut partir, vite. Bravo 6, répondez. Oui, d'accord, capitaine! Petite question, est-ce que le son du jeu est pas trop fort par rapport à... aux conneries que je raconte? Call of Duty 4. Parce que j'ai l'impression que le jeu est un petit peu trop fort. J'en ai trop peut-être, oui. Ok. Voiture en approche. Continue de chercher. Attendez. Pouf. Pouf. Excusez-moi. Oui. Ok.
putain, il a mal vieilli, Jean Reno. Ça a l'air d'être la teuf quand même, hein. Capitaine Price, Al-Assad vient d'exécuter le président Al-Fulani en direct. Les Américains se chargent d'Al-Assad, et on ne peut plus rien pour Al-Fulani. Mais dans moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolaï. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. On s'occupe de nos amis. On y va. Ça se voit à sa gueule qu'il est grillé. Les loyalistes nous
attendent à 500 mètres au nord. En avant. Des loyalistes. Hein. Allons-y, capitaine. Eh bien, ils ne nous tireront pas dessus à vue si c'est ce qui vous intéresse. C'est déjà beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut les tuer? Feu à volonté. Ah. Allez-moi. Cependant, le secrétaire de la Défense a déclaré que les forces déployées seraient importantes. Bon boulot. Il doit rester quelques gardes là-haut. Yamarov et ses hommes nous attendent dans un champ au nord-ouest. Et moins d'un jour après que la télévision ait diffusé l'exécution du chef arabe destitué Yasir al-Fulani, les marines américains stationnées dans le golfe Persique ont reçu l'ordre de... Mais tout capitaine ! J'ai pas très confiance d'être derrière gaz, parce que je sais pas pourquoi il appelle comme ça. Du coup, s'il appelle comme ça parce qu'il fait des gaz, j'aime pas trop rester derrière lui, voilà. Dorme. Ennemi à terre. Mais gueule pas comme ça, tu vas réveiller les autres. Sauf votre respect, capitaine. Cible, Kamarov. On a un informateur à récupérer. Les ultranationalistes ont des BM-21 de l'autre côté de la colline. Leurs roquettes ont tué des centaines de civils dans la vallée. Pas si vite. Beyrouth, ça vous rappelle rien ? Vallée de Dana. La la la, la dinada. Ça paraît moins mythique qu'avant avec le temps passé. Avance et prépare-toi à attaquer. Ah ouais ? Mon signal. Genre, t'es en train de te dire, en fait, c'était pas si ouf. Votre sniper pourra bien couvrir mes hommes d'ici. En vrai, tu remets dans le contexte de l'époque, pour le moment. Pour le moment, en vrai, c'est cool, hein. Oula. Tu es coincé dans. Sauf, par ici. Groupe de snipers en position. Gaz, couvre le flanc gauche. Compris. Je couvre le flanc gauche. Il est où mon... Saut, par ici. Saut, élimine les mitrailleurs aux fenêtres pour que les hommes de Kamarov puissent entrer. Merci. Merci de me dire que ce que je dois faire. Je n'étais pas sûr. Oh. Attaquez l'autre mitrailleur à travers le mur. Oh, mais on le voit pas bien, capitaine. C'est compliqué, capitaine. Je sais pas si je l'ai eu, capitaine. Merde, hélicoptère ennemi. Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait des hélicos, Kamarov. Je n'ai pas dit non plus qu'il n'y en aurait pas. On doit couvrir mes hommes de cet hélicoptère. Là, il y a un gars, là. Hop là. Сколько времени я тебе нужно? Ладно, я буду продолжать останавливать их. Соп, par ici. J'arrive, capitaine, arrêtez de m'engueuler. Ah,
Je suis là, c'est bon. Saute, par ici. On a de la visite. Hélicoptère en approche rapide. À mon sens, ce qui manque un peu par rapport à aujourd'hui, c'est le son des guns. C'est vrai que ça fait un peu pouet-pouet, quoi. Oui, c'est fait. Cible neutralisée. Je te vois, tu dépasses là. Il y a ta tête. Capitaine Price, mes hommes rencontrent une forte résistance. Appuyez-les depuis les falaises. Et notre informateur. D'accord. Alors aidez-nous. Plus mes hommes avanceront dans ce village. Eh putain. De votre informateur. On dirait la voix du capitaine Haddock. Et c'est lui. Bah, il a la même voix, hein. Et Milou qui va rejoindre. Milou va rejoindre la partie. Pouf, merde. Pouf, merde. Raté. C'est où le nord-est? Nord-est. Nord-est, c'est par là. Paf dans la gueule. Paf dans la gueule. Paf dans la gueule. Paf. Pas dans la gueule, mais je l'ai eu quand même. Bien, on avance. Suivez-moi à la centrale. Avec un meilleur soutien de votre sniper, on est sûr de gagner. Capitaine Price, je dois vous... Ça suffit. Où est l'informateur? La maison. La maison au nord-est du village. Ça s'est bien passé, non? Allez, va t'asseoir au coin. Sauf gaz. On doit rejoindre cette maison avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur. Allez. C'est vraiment la même voix que le capitaine Haddock, hein. Ah merde, pardon. Ah, mais ils se ressemblent tous. T'as heureusement que je suis pas un vrai soldat, hein, parce que... je muterais mes potes tous les jours. Tout je me dirais... C'est gentil, ça? Oui. Mais sans ton pif. Oh. Bien. Mmh.
c'est moi qui dois faire tout le travail. Aïe! Et à quoi, capitaine? On m'explique jamais rien, moi. On me dit vas-y, tire et. Appuyez sur N. Wow. Impressionnant. Ouais, bah arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Parce que ton mec, il roule en BM. Ouf. Capitaine! Je suis mort. Ouf! Ah merde, c'est Nikolai! C'est le gars qu'on doit sauver, je lui tire dessus, moi, vous avez vu? Moi, si je faisais la guerre, je serais nul. You speak French? Vous pouvez marcher? Oui. Et je peux me battre. Merci d'être venu me sortir d'ici. Oiseau de nuit, ici Bravo 6. On a le colis. Rendez-vous sur la ZA1. À vous. Bravo 6, ici Oiseau de nuit. On est en route. Terminé. En avant, en avant! Vous avez le colis, mais est-ce que vous avez le bro-colis? Capitaine, je cours plus vite que vous, capitaine. le premier arrivé a gagné. Oh, capitaine, vous m'avez dépassé à la dernière seconde. Vous avez triché, capitaine. Tu enchaînes les blagues extrêmement drôles. Mais... Je suis en forme. Mon prénom c'est Rémi, mais ok. Ah non, c'est Soap.
Capitaine ? Capitaine, vous êtes là ? Non, il est pas là. Établissez les barrages ! Allez ! C'est moi qui dois ouvrir la porte, c'est ça ? Allez Vasquez. On entre, on y va. RAS. Y'a pas un petit truc à grailler? Non? C'est quoi ça? C'est du saucisson? Non, pas du tout. Paf. Aïe! Vasquez, aide-moi! Mais il est où? Ah, il était caché là! Je le vois, il y a son petit gun qui dépasse là. Il est pas mort. Quoi? Il y a une porte là. J'avais pas vu. J'ai quoi comme deuxième arme? Ça? Oh. Aïe! Ah zut alors! Merde, je suis un abruti. J'ai mis difficile. J'ai mis le troisième niveau de difficulté, c'est au-dessus de normal. Ah oh. Oh. Ah. C'est ça que je veux. Hop. Ah, y'a personne. Voilà, encore. Petit rituel. J'étais pas prêt. Oh! OMG, qu'est-ce qui se passe? Attends Vasquez.
Comment ça? Damn. Petit à petit, ça va un peu mieux, non? Bonjour! Il a parlé de Metallica, là, non? Oh, ils sont réactifs, hein. Oh, ils font dans le tas, c'est des ouf. Oh, je l'ai tiré dans les couilles, je crois. Réaction. L'enfoiré. Bien sûr, QG, terminé. Écoutez, j'apprends que Al-Assad émet dans une station de télévision à 500 mètres à l'est de notre position. On va y aller à pied, ramasser notre chauvin, en route. Cible à découvert. Une voiture rouge, je suis daltonien, faut pas me dire ça moi. C'est ça une voiture rouge? Quelle voiture rouge? Putain, ils sont sympas eux, mais Pardon, j'ai mon nez qui gratte. C'est vrai, t'es le daltonien? Oui, c'est vrai, je suis daltonien. Bon, mais j'exagère, je voyais très bien que c'est une voiture rouge. C'est pour l'humour. Oh, pardon. Il est à découvert? Mais il doit changer de banque. Tout ça parce que j'ai tué un pote. Vous arrivez là, non? Oh, ils arrivent tous là! Wow, le carton que je fais! Merde!
Oh, sa mère! Qui ça? Il en reste un, non? Ah, qui, CPL, c'est, Capitaine? Nos renforts arrivent! Ou Caporal? Ah non, c'est Caporal. Caporal! Dans sa gueule. Attention, lance-roquette! Quelle lance-roquette? Je ne vois aucun lance-roquette, Caporal. Allez, on y va! On va où? Ah là-bas! Pardon. Ah, on me dit jamais rien, moi aussi. Hein. Allez, on y va! Contact ennemi! Prêt à départ! Vers l'est! Mais je croyais que je l'avais tué, lui! Attends, attends, laisse-le passer. Oh! Ne les laissez pas se lever! Alors, il n'y a plus de lance-roquettes, c'est bon. En vrai, putain, les arrivées d'ennemis comme ça, ça fait vraiment. Ah, ça ressemble à ce qu'on peut voir, quoi. C'est. En tout cas, ce qu'on voit dans les films, quoi. Je croyais que c'était un gentil avec son casque à la con là. Ta gueule! Voilà, merci. Oh, sergent Mejia! Oh. Là, c'était la chute du Faucon Noir. Ouais, c'est vrai. Très bon film, hein, d'ailleurs. Un des meilleurs Ridley Scott. Ah merde, c'est des copains! Zut. Thank you.
À côté du module détruit, mais ils sont tous détruits sont tous détruits les murs caporal. Pardon. Lieutenant. 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 La position est verrouillée et encerclée. Ah. En position pour attaquer. Va où? Lieutenant, on va où? Oh, une plante! J'ai flingué la plante, caporal, vous l'avez vu? Oh merde, pardon capitaine. Je me suis Vous avez rien vu lieutenant, hein, ce sera pas dans votre rapport. Zut, je vais mourir. Ah 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 ah. Ils sont où les gentils, ils sont... Ah! Ils sont où les gentils, ils sont où les méchants? Aïe! Ils sont trop nombreux, commandant, lieutenant. Oh merde! Déjà, si vous arrêtez de regarder des âneries à la télé... Alors, voyons voir. Caporal, vous êtes devant. Mais caporal, vous pensez qu'il faudrait récupérer les écrans là? Parce que quand même, ils sont vachement solides. Ça va être une technologie qu'on connaît pas. Ouais. Aïe. Oups. Oh, je me suis pris une grenade en pleine tronche. C'est un peu dur ce passage là. Ah lieutenant, je me suis un peu emballé.
Ah, hop. Maintenant, je me casse. Oh. Oh, salaud. Oh merde, la grenade. Il est déjà mort lui, ok. En fait on voit pas bien. Comme en vrai quoi. Oh c'est trop réaliste comme jeu. Pardon. Hop là, hop hop hop. Merde. Prends ça Windows. Oh ah merde, c'est un méchant. Il est où? Oups. Je sens qu'il va venir par là. Casse-toi l'écran là. Tiens toi aussi. Hop, paf. Oh, je l'ai vu passer. Il y avait Caporal devant. C'est infini. Aïe. Oh. Ah. Ça c'est difficile de se mettre à couvert dans ce bordel hein. Ça, sergent m'avait fait peur. Sergent Grenier. Oh bah. Fred. Oups. Il est là, il est là. Lieutenant, oh, putain. Merde. Oh merde, il est passé devant moi juste au moment où je tire ce con. Alors attention quand même, il y a des armes à feu ici. Ouh. Hop là. Où ça? Ouh. Je vois rien du tout au premier étage. Alors, est-ce qu'il faudrait que j'avance à un moment, peut-être?
Je sais pas, je me demande. Aïe. J'ai cru voir un connard là-haut, non? Aïe! Si, y'a un connard là-haut. Oh zut! Oh, c'est calme d'un coup. Ce passage dure à peu près 45 minutes. Je t'ai vu, je t'ai vu. Ah, c'est où l'ascenseur? C'est là? Il fallait juste avancer en fait. Ouais, nos gars sont en route. Ouais. 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 Cessez le feu. Nos gars sortent. Aucune trace de Al-Assad. Ça va, lieutenant? À vos rangs, marines. Restez concentrés. Ne répondez surtout pas, lieutenant. Hop là! Derrière vous, Devil Dog. Devil Dog. Est-ce sergent, sous-sergent ou ce sergent? Sergent. Wow. Je crois qu'il est là-dedans, je l'entends. C'est la télé. Je vous l'avais dit que c'était la télé. Il est pas ici. C'est en boucle. L'émission est enregistrée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de ce soir. On peut pas déconner, sergent. Lieutenant. J'ai mieux que ça de toute façon. Mais si Red Dog, la télévision est sous contrôle. Aucune trace de Al-Assad. L'émission est enregistrée. À vous. Marine, rassemblement. On a une nouvelle mission. Rassemblez le matériel et tenez-vous prêts à partir. Après.
Après les durs combats d'aujourd'hui, les marines ont avancé dans la ville où s'est retranché Al-Assad. Les combats se sont intensifiés dans la capitale. La nuit est illuminée par les tirs anti-aériens et les bâtiments en flammes. Une colonne de blindés. Position confirmée, je répète. Coordonnées 5-2-7-6-1-9. Terminé. Bravo 6, bien fait, à vous. Bravo 6, on a un Abrams immobilisé. Unité sanglier. Lieutenant Vasquez, votre unité se fait canarder. Reçu, bravo, on approche. Dites à sanglier d'être prêt. On y va, terminé. Le char de la compagnie Alpha est bloqué à 500 mètres au sud. On doit foncer. Oh. En avant. Intéressant ce décor. Ah, lieutenant Vasquez, vous êtes encore là? Ça, c'est la guerre, là! Aïe! C'est moi, Jackson? C'est pas clair. Attendez, les gars, vous me dites d'y aller, mais moi je me remets à couvert là. J'ai peur. Quel bordel! Oh, oh pardon, sergent! Ça, je vois que vous ne m'en voulez pas. Sergent Putain, heureusement que je suis assez derrière. Hop, dans ton cul. Allez, au suivant. Quelle mitrailleuse? De quelle mitrailleuse tu parles? Ça là? Faut tirer où? Attention, d'autres unités ennemies convergent vers le char. Foncez là-bas. D'accord. Intéressant. On voit pas trop où il faut aller, mais d'accord. Bah dis donc, c'est le bordel hein.
suis toujours pas sûr qu'il faut y aller par là, hein. Non. Paf! Bouh! Attention, il y a une grenade, les gars! Bah, je t'ai prévenu, mec, hein. Aïe, aïe, aïe. Le drone de reconnaissance a repéré les chars ennemis venant par ici. Soldat West, attaquez-les au chariot depuis le toit. Soldat West à terre. West est à terre. Soldat du droit carrive. Oh putain, il est... Oh, c'est la fête aux grenades. C'est la fête aux grenades. Ouf. Javelin ? C'est quoi un javelin ? C'est quoi un javelin ? Bah je voudrais bien mais... Un gros lance-roquette ! C'est ce que j'imagine. Mais je vois pas de lance-roquette. T'en vois un, toi? J'ai compris. Ben... Ah, mais il est là! Oh! Rappelez ces véhicules à l'autre bout du pont! Vite! Jackson, fonce au deuxième étage et détruis ces chars! Rappelez ces véhicules à l'autre bout du pont! Vite! Propre. Merci. J'en avais marre de me faire engueuler. Oh, il est tombé, sergent. Sergent Brumel. Bravo 6, subissons un feu nourri sur notre position, au nord du pont. Vous êtes où, bordel? On y est presque. Bordel! Le char est de l'autre côté de ce pont. Allez, rejoignons le groupe! Bordel! Capitaine. Ils avancent avec des charges explosives. Empêchez-les d'approcher du char.
Oh, je me suis pris une roquette en pleine gueule. Vous avez vu ça? L'arbre de la liberté doit être arrosé, mes couilles, machin. Près des clôtures! Pardon. Pardon, lieutenant, Lieutenant, je suis un sacré déconneur quand même. Ça n'en finit jamais. Quoi? Merde! Ça marche, Nito. A tout à l'heure, peut-être. Sinon des bisous. Ah non, peut mourir des nations, machin, machin. J'ai pas le temps de lire. C'est... Aïe. Et sinon tchuss. Oh, caporal! Vous me faites peur, caporal! Je vais vous tirer dessus à un moment! Pareil, soldat là! Merde! Y'a un connard là-bas? Je savais que c'était une mauvaise idée. Ah non! Le Charlie Bravo 6, demande au soutien aérien pour mission de tir à vous. Oh, me dis pas que je... Oh, je dois recommencer, merde! On est encore en circuit! Il n'y a plus que nous quatre! Et le char est opérationnel! Aïe! On tape à l'est! L'autre attaque notre sud! Oh, il y a des grenades! Bravo 6, ici surveillé! Le canon principal est à HS, mais on a encore le mitrailleuse! Ils avancent avec des charges explosives! Empêchez-les d'approcher du char!
Ah. Oh, mais je lui ai tiré dans le cul-cul là normalement. Oups. Bravo 6, d'autres unités ennemies se rassemblent à l'ouest de votre position. À vous. De Charlie, Bravo 6. Demande au soutien aérien pour mission de tir, à vous. Négatif, Bravo 6. ZPU ennemi au sud de votre position. Impossible d'envoyer un hélico tant que vous ne l'avez pas détruit. À vous. Jackson, trouve ce ZPU et élimine-le pour qu'on puisse avoir notre soutien aérien. Ouais, oh, putain, c'est encore à moi de faire ça. Hein. Ok, en avant. Surveillez l'accès ouest, allez. Toujours à moi de tout faire ici, de toute façon. On ne dit jamais rien et je veux tout faire. Voilà. Oups. Merde, lieutenant! Ça, lui, il était chill en train de tirer, là. Lieutenant, vous êtes encore vivant? Oui, c'est bon. Oh. J'ai plus que 40 balles, hein. Ça va être compliqué. Hein. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous pouvez pas me donner des balles, caporal ? Oh lieutenant, je me fais tirer dessus. Oh lieutenant. Oh pardon. Aïe. Aïe. Hop, mais lieutenant! Vous mettez toujours là où je tire! Salaud! Hmm.
Jason, place le setup sur le canon, vite! Bon travail! Mettons-nous à bonne distance! On est prêt! Jackson! Jackson, j'ai un soutien aérien en approche, mais ils veulent notre position exacte. Place la balise infrarouge, terminé. Deuxième étage. C'est cruel quand même tout ce bordel, hein. Oh, il y a un bâtard qui lance des roquettes là. Hop. La première victime de la guerre est la vérité. Quoi ? Je recommence là ? Bah, mais bordel ! Oh, la flemme ! Tiens, dans ton cul, toi. Ah là. Ah là, on l'a entendu gueuler d'ici, tiens. Énervé, eux, hein. Ils ont bouclé le bâtiment. Il faut demander un soutien aérien. Jackson, place la balise infrarouge. Bon, on voit votre analyse. On arrive du nord-est. On attend. Oh, il s'est pété la gueule, lui. D'accord, sergent. Ah, lieutenant, vous êtes là. Ça va, lieutenant? Lieutenant, vous n'avez que des messieurs, lieutenant. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour sortir ce char de là. On n'a pas beaucoup de temps. On va prendre des positions défensives autour du marais. Ici, ici et ici. Faut donner aux techniciens. Où ça? Faire avancer ce char. Où ça? Où ça, lieutenant? Mais on me dit jamais rien, lieutenant. J'aimerais savoir. Ah, c'est bon, c'est fini. Ah, et nous allons revenir à Savon, ce qui va nous permettre d'arrêter notre session sur code pour cette fois, aujourd'hui, pour ce soir. Oula Nikolai, on l'emmène à la cage d'Hambourg. Heure d'arrivée estimée, 7h du matin. Terminé. Oh, on va pouvoir retrouver le capitaine Price. Hop. Sauvegarder et quitter. Sauvegarder et quitter. Hop là. Bon bah écoutez... premier degré, j'ai trouvé ça cool.
Je pense que, évidemment, le faire avec autant d'années de retard, je peux pas avoir une vision aussi, aussi objective. Hein. Forcément, ça a un peu vieilli. Mais vraiment, quand tu le remets dans le contexte de l'époque, c'est vraiment chambé. Et en vrai, j'apprécie l'expérience pour le moment. Et en plus, je trouve le truc très rigolo. Voilà. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on passe un bon moment. Allez, des bisous YouTube. Probablement à la prochaine fois. Des bisous.